Il y en a qui vont dire que je force. Non, non, croyez-moi, c'est bien réel. C'est ce que je vis chaque mois. Et sans parler des douleurs que j'ai avant et pendant. Et je vous le dis, je suis essoufflée. Je suis essoufflée quand je fais un peu d'effort. Et c'est horrible en fait parce que j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, voilà quoi, je dors hyper mal, j'ai la nausée tout le temps, j'ai des vertiges, c'est hyper désagréable, franchement. Et encore ça, c'est vraiment quelques détails. Mais là, je me force à pas prendre de médicaments parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'habituer au médoc parce que ça me fait plus rien quand j'en prends. Et là, je me force à supporter la douleur, quoi. Donc là, je suis allongée parce que c'est tellement douloureux que je peux rien faire debout. Je peux pas rester debout, quoi. Et c'est désagréable. Ça fait plaisir qu'il y en ait qui se rappellent. Donc là, j'ai marqué des gens. Écoute, actuellement, j'essaie de bien le vivre. Mais ouais, c'est dur. C'est dur. J'ai les larmes aux yeux depuis tout à l'heure. Tellement j'en peux plus. Ça me prend de la force. Voilà. Mais les autres vont sortir et moi, je vais rester là parce que je sais très bien que je vais pas supporter la douleur dehors et déjà que je vais gâcher le moment des autres, je vais gâcher mon moment. Et puis, bah, du coup, je préfère rester là, enfermée dans le noir, attendre que ça passe, même si ça va pas passer. Mais ouais, on fait aller, hein, c'est la vie, c'est comme ça, on doit vivre avec. Pour l'instant, il n'y a pas de solution à part arrêter son cycle naturel. Et perso, c'est vraiment pas ce que je veux, puisque je trouve pas sain du tout. Ça sent. Alors, je saurais pas te dire si je l'ai. Si je sais que je l'ai depuis longtemps. Parce que moi, quand je l'ai su, ben, j'étais déjà adulte. Malheureusement, je l'ai su beaucoup trop tard. Et même si je l'aurais su avant, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Mais je sais que les symptômes, je les ai depuis ben, très jeune et que ça s'est empiré au fur et à mesure des années et que voilà, c'est de pire en pire. Et je sais que quand j'ai commencé à travailler, c'était une angoisse pour moi de savoir que j'avais mes règles et que je devais aller au boulot. Il y a même une fois au travail, j'ai fait une hémorragie carrément. Et en fait, je suis tombée dans les pommes. C'était horrible. Ils ont appelé les pompiers. Et j'étais trop, trop gênée. Et en fait, tu peux rien faire contre ça, quoi. C'est horrible. Alors, perso, tous ceux qui disent prends la pilule, je sais pas quoi, arrêtez tout de suite, personnellement. Moi, je suis pas médecin. Mais déjà, la pilule. Moi, je suis tombée sur des médecins qui me disaient oui, il faut prendre la pilule, si ça, ça. Mais je vous le dis, si vous êtes anti-médicaments comme moi, ne prenez surtout pas la pilule. Moi, j'ai eu des palpitations au cœur. J'ai fait des tachycardies. Je crois que, je vous jure, j'ai senti mon bras qui se paralysait. Et je me sentais partir, en fait, à cause de la pilule. Parce que on me disait, oui, c'est pas la bonne pilule que vous avez. Elle n'est pas adaptée. Il faut que vous preniez une pilule moins ci, moins ça. Mais c'est n'importe quoi. Déjà, tu peux pas te mettre un truc dans le corps que ton corps à la base n'a pas besoin. Enfin, soi-disant pour régler quelque chose qui est naturel, qui vient tous les mois. Donc, c'est totalement faux. Donc, faut arrêter.